Et pour la fin, le mauvais état de la route au quartier Bambouchine dans le 6e arrondissement de Libreville ne facilite plus le déplacement des riverains. Le constat dans ce reportage de Georges Kombila Kombila et Gérard Magnania. Bambouchine, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Ici, en saison sèche ou en saison pluvieuse, les habitants de cette contrée éprouvent d'énormes difficultés à se mouvoir du fait du piteux état de la route. Bambouchine, c'est 500. Kourou, c'est 1000 francs. Au-delà, c'est 1500. Et imaginons en saison de pluie, combien ils peuvent dépenser. On passe deux fois par les pirogues, on sort aux 12. Mais on a quand même nos clans d'eau, les réguliers, qui supportent cet état de route. En saison de pluie, il y a beaucoup de bourbiers, les gens s'embourbent et ça décourage beaucoup de transporteurs, ce qui fait que les populations se retrouvent à un moment isolées. La route est très mauvaise et il faut la refaire en principe, c'est dû à ça. Lancé en 2009 par l'entreprise adjudicataire Entraco, les travaux de ce tronçon ne sont jamais allés à son terme. Pour des raisons jusque-là inconnues. C'est pas normal qu'à chaque fois l'État finance des projets et c'est des projets qui sont inaboutis. Ce projet a déjà été totalement financé. Là, vous venez là peut-être parce que c'est en saison sèche. Dans un mois ou deux mois, vous allez voir impraticable. Tant d'années, on est né là. On va vivre toujours les mêmes choses. Le mauvais état de cette route serait, selon les informations recueillies auprès des usagers, à l'origine de l'abandon du projet d'aménagement d'un cimetière municipal.